Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. C'est moi, Emma, enfin de retour après pour faire un petit point. Ma rentrée s'est bien passée. Bon là, je galère un peu au niveau des notes, mais on va y arriver. Je vous retrouve pour vous faire un ask très original, mais ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de ask et je pense que vous pouvez être d'accord avec moi. Merci beaucoup Jade pour cette petite playlist. Puisque je vois déjà la deuxième question, pour faire un petit point, je ne répondrai pas aux questions qui concernent mon copain. Vous ne verrez jamais mon copain en vidéo, donc vous le savez, je vous le cache pas, mais je ne m'avancerai pas là-dessus. Tu ferais quoi sans ton baby? J'aime trop tes vidéos au passage, réponds-moi s'il te plaît, bisous. Alors Vic, je ne ferai rien sans toi. Voilà, je pense que c'est la réponse que tu t'attendais, certainement, donc... C'est une grande surprise. Quelle est ta paire de chaussures préférées slash ma paire de sneakers préférée? Puisque je mets énormément de sneakers, c'est rare que je mette autre que des baskets. C'est celle-ci. Voilà, parce que c'est une paire qui est assez coûteuse quand même. Donc je ne suis pas, on va dire, déçue de l'avoir. C'est les Air Max 2017 blanches. Elles sont très très jolies, mais je ne sais pas encore comment les porter. Voilà. Une paire que je vous recommanderais toujours et que pour moi est indispensable à avoir, c'est les paires de Converse. Donc moi c'est une paire de Converse montante blanche que j'ai depuis ça faire un an bientôt. Hyper confortable en montante et en basse blanche, mais je compte me les acheter très prochainement dans d'autres couleurs, noires ou quoi. Comment gères-tu le stress? Que je suis une fille qui stresse genre énormément, genre vraiment pour tout et j'ai l'impression que je suis la personne qui est la plus malchanceuse au monde. Comment je vais le gérer? Je ne sais pas trop en fait. Je ne le gère pas trop justement et des fois c'est mauvais. Comment fais-tu pour avoir autant confiance en toi? Gros bisous. Gros bisous. Alors, je suis une personne qui n'a pas totalement confiance en moi constamment. Il y a des moments où tu vas complètement douter de toi. Et je pense que c'est un peu à tout le monde, c'est jamais quelque chose d'acquis. Mais c'est quelque chose qui se gagne soit avec des épreuves, soit avec le temps, soit maturité, etc. Mais il n'y a pas une recette miracle pour avoir confiance en soi. Moi je sais que faire des vidéos sur YouTube ça m'a apporté énormément dans ma confiance en soi. Puisque tu t'apprends énormément de choses et tu t'apprends des choses sur toi-même que tu n'aurais jamais cru. Après, il y a des personnes qui vous redonnent confiance en soi, que ce soit des amis ou alors votre copain ou quoi. Une vidéo avec tes potes de l'internat, sinon je t'adore, continue comme ça. Alors l'année dernière, j'en avais filmé une, mais je n'ai jamais mis cette vidéo en ligne parce que tout simplement, elle était trop fouillie, c'était horrible, on dégustait... un truc de la bouffe américaine. C'était horrible, horrible, horrible. La vidéo dure 2 minutes, on comprend que dalle. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est... Voilà, je vais pas vous mettre du contenu comme ça sur ma chaîne. Mais pourquoi pas si... avec mes potes de l'internat et pas que mes potes de l'internat, si vous voulez. Faut que je voie ça. Là, ça va être un peu compliqué. Mais pourquoi pas si un jour, on en a l'occasion. J'ai hâte qu'il... Mais allô. As-tu déjà envisagé de faire The Voice? Parce que les concerts privés à 23h c'est bien beau, mais devant la France entière c'est encore mieux. PS, je t'aime et abonnez-vous à elle. Je t'aime aussi mon chat. Faut savoir qu'en fait depuis cette... Donc je suis dans la chambre du Jade et de Sarah. Bah maintenant, enfin en ce moment, on a énormément de boulot, énormément de projets à rendre, etc. Donc il y a énormément de soirs où on se couche très tard. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime prendre mon temps. Donc des fois, les filles ont fini avant moi. Et moi, j'ai à 23h minuit, j'ai pas encore fini de bosser. Je mets mes écouteurs et genre, je suis quelqu'un genre, je mets mes écouteurs, je m'entends pas chanter. Mais là, vous m'avez fini. Donc là, des fois, genre, je chante dans la chambre. C'est genre, que comptes-tu faire plus tard? Sinon, continue comme ça. J'espère que tu me répondras. Alors ça, c'est une question qui revient énormément. Et ça évolue avec le nombre de asks que je fais au fur et à mesure des années. Ça évolue. Là, j'ai un peu plus de repères. Puisque en première, faut quand même avoir une idée du métier que vous voulez faire. Surtout quand t'es dans une filière comme ça qui est vachement restreint. Enfin, qui est vraiment...
voilà, c'est pas comme si j'étais en général. Et ce que j'aimerais beaucoup faire après mon bac, après c'est à voir aussi parce que je sais que ça se trouve j'ai un profil qui correspond pas du tout avec ce que je veux faire. Donc j'attends d'avoir des rendez-vous avec mes professeurs, etc., qui sauront mieux me guider. Après, soit dans la mode, ça c'est quelque chose que je vous ai toujours dit, que je vous ai jamais caché, ou soit dans quelque chose qui est dans l'infographisme. En me mettant sur YouTube, j'ai appris énormément de choses sur tout ce qui est logiciel, graphisme, etc., que j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas, c'est deux branches complètement pas opposées, je dirais, mais qui sont pas du tout pareilles. Léa m'a dit « Comment tu fais pour vivre sans moi ?» Parce que moi, perso, j'en ai marre. J'adore tes vidéos. Salut, c'était ma peste. N'oublie pas la team Moluson 03. Alors la team Moluson 03, je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Et c'est très, très compliqué de vivre sans toi et sans Emma aussi. Genre, c'est vraiment horrible, horrible, horrible. Et j'ai hâte de vous revoir parce que le manque d'une personne, c'est vraiment compliqué, quoi. Les études se passent bien et pour l'internat, bisous. Alors, c'est un peu compliqué, comme je vous l'ai dit. On a deux fois plus de boulot que l'année dernière et c'est vrai que c'était un peu dur à gérer, mais je suis moins passive que l'année dernière. Alors que cette année, je suis un peu plus investie, même si des fois, je m'en ai un peu marre. C'est vrai que là, je me tape des notes un peu catastrophiques et c'est un peu chiant, quoi, parce que tu bosses. Mais apparemment pas assez, donc c'est vraiment vraiment chiant et c'est assez décourageant, mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras, on va y arriver. Et l'internat, ça se passe toujours aussi bien, il n'y a pas de souci. J'espère que vous, ça se passe bien, quelle que soit la classe dans laquelle vous êtes rentrée cette année. Est-ce qu'une vidéo avec ta sœur est prévue? Bisous, t'es magnifique, merci beaucoup. J'ai un peu de temps avant qu'elle reparte, donc dites-moi dans les commentaires quelle vidéo vous aimeriez voir avec ma sœur, une vidéo un peu différente. Faire des sneakers que qui te fait envie en ce moment? Oula, les Vans montantes jaunes, mais pas le jaune pâle, le jaune un peu plus jaune, quoi. Mais elles me font envie, mais vous imaginez même pas comment. Mais genre, les Reebok, donc soit les Reebok genre un peu grises comme ça, grises foncées. Parce que les Reebok classiques, elles sont hyper hyper confortables, mais genre vraiment vraiment en kaki, elles sont oh là là mon dieu. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu pour un peu remettre tout ça à jour et pour aussi vous parler un peu de ma vie en ce moment, puisque ça fait un moment et que je voulais pas faire une vidéo en mode de retour et que après vous repostez une vidéo dans 4 mois, hein, voilà, j'aime pas faire ça, donc c'est pour ça que je ne vous le fais pas, je ne vous oublie pas et je pense toujours à vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos parce que c'est vrai que des fois, quand j'ai vraiment un temps, j'aimerais vous filmer, mais je ne sais pas quoi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit j'aime comme d'habitude. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.